Je laisse la musique assez forte quand même. C'est parti, messieurs, dames, pour l'aventure Super Mario Galaxy. Let's go. Effectivement, Sunshine est terminé, messieurs, dames. On continuera Pikmin jeudi. Pa, pa, pa. Ok, bon, déjà, on a quelque chose d'assez joli. Déjà, on a quelque chose d'assez... Attendez! Ne me dites pas qu'on va avoir du 60 FPS. Ne me dites pas qu'on est en 60 FPS. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je suis trop content. Je savais même pas que c'était de la 60. Ok, je suis obligé du coup de faire une story pour Instagram. Voilà. Merci beaucoup à Edera pour le 5e mois. Merci beaucoup. J'ai oublié de continuer mon Prime hier. Eh ben merci. Merci beaucoup. Attendez. Je prends juste une story. Messieurs, dames, c'est énorme ce qui se passe. On était censé, après avoir terminé Sunshine, passer sur Pikmin, mais finalement, on continue sur Super Mario Galaxy. On découvre l'aventure et on est en 60 FPS. C'est énormissime. On fera donc Pikmin jeudi. On passe sur Super Mario Galaxy, le début du nouvel Let's Play, bien sûr. Voilà. Voilà. Putain, on est en 60 FPS. Je suis refait, je vous jure. Je suis refait. Super Mario Galaxy. Ouais, je vous jure, je suis super hypé. Je suis super hypé. Super Mario Galaxy. Voilà. En live, 60 FPS. Le bonheur. Et oui, parce que du coup, j'ai tenu informer les fleurs sur Instagram, mais pas sur... sur Twitter, mais pas sur Instagram. Du coup, je me dois de tenir au courant les fleurs sur Instagram quand même. Voilà. Merci Ananas Pastek pour le Prime. Merci beaucoup. Il influence comme personne. Ah, cet influenceur Twitch absolument exceptionnel. Il est capable d'influencer de nombreuses personnes. Super Mario Galaxy en live, 60 FPS, le bonheur. Voilà. Le tweet est là. C'est parti. Appuyez, touchez R, l'écran. Voilà. Ah ! Ok, gyroscope. Ok, gyroscope déjà. Ça part sur du gyro. Voulez-vous créer un nouveau fichier de sauvegarde? Oui. Choisissez une icône. Ah, c'est iconique. Aïe, aïe, aïe. Le premier choix va être compliqué. Yoshi. Todd. Todd. J'ai choisi Todd. Voulez-vous sélectionner cette icône? Oui. J'ai pris Todd. J'ai pris Todd. J'ai osé, messieurs, dames. Todd 1. Jouer avec ce fichier. Oui, je joue avec ce fichier. Je m'amuse vraiment avec ce fichier. Quel amusement avec ce fichier. Cette année, au-dessus du royaume champignon, apparut une comète qui couvrit le firmament. De cette comète qui revient tous les 100 ans, tomba une pluie d'étoiles filantes. Les Toads ramenèrent ces éclats d'étoiles au château, où ils se transformèrent en super étoiles. Cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du royaume champignon. C'était la nuit du festival des éclats d'étoiles, qui se tient tous les 100 ans en l'honneur de la comète. Cher Mario, je t'attendrai au château, le soir du festival des éclats d'étoiles. J'ai quelque chose à te donner? Messieurs, dames, nous sommes partis sur cette aventure. En vrai, ça fait plaisir. Merci Meliodas pour le 9e mois. Merci beaucoup. Merci aussi Carbine pour le Prime. Merci.
Attendez, je peux faire ça du coup? Ah oui, d'accord, ok, c'est particulier, effectivement. Oula. Ok. J'ai pas le saut en vrille? J'ai pas le saut en vrille, j'ai l'impression. Ok, je tente. Ok. Joy-Con, je pense. Ah ouais? Vraiment? On va voir, on va voir. En vrai, go rester là et farm. Non mais en fait, je vais juste farmer, hein. Bienvenue au royaume champignon! On t'attendait! Mais non. Eh hey, vite Mario, viens ramasser les fragments d'étoiles avec nous! Bah c'est ce que je fais, regarde. Hop là, hop là. Comment il va celui-ci? Et pour ramasser les fragments d'étoiles, vise-les! Et touche-les! D'accord. Tu ramasses? Ouais, de ouf, je ramasse. Il est beau le jeu, what the fuck? Merci Firoz pour l'abonnement, bienvenue. D'ici, la vue est splendide. Le château se trouve dans cette direction. Il n'y a pas trop de feinte, hein. Nous ramassons plein d'éclats d'étoiles. On les appelle aussi des fragments d'étoiles. C'est énorme. Ok. Uhu. Salut tous les Toads. Comment ça va? Ah. Oula. Oh merde. Oh, ça va pas du tout. C'est la merde. C'est la merde. Merci Liliro d'ailleurs, merci beaucoup. Alors, ça va? Comment je peux vous aider? Oui. Qui veut de l'aide? Quel désastre? Oui? Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah merde, je suis en train de tout consommer. Oh l'idiot du village. C'est la première fois de ma vie que j'y joue, hein, tout à fait. Merci Ewolan pour le 7ème mois, merci beaucoup. C'est la première fois que j'y joue, tout à fait. Je viens de consommer tous mes fragments d'étoiles que j'ai farmés. Je suis dégoûté. Je suis... Qu'est-ce qu'il y a? C'est Bowser. Bah oui, non mais je sais que c'est Bowser. Mes amis ont été... Oui, mais je sais, c'est mes amis aussi, hein. Vous savez, vous êtes pas... La princesse est à l'intérieur. Ah bon, j'y vais alors. Ils ont cru que... Ouais, moi aussi c'est mes amis. Attendez, vous croyez quoi? À l'aide! J'arrive, bouge pas! De toute façon, je t'aime plus fort que tout, et l'amour sera toujours plus fort que tout. Compte sur moi pour te sauver. Merci Perrault.
Si le 1 me plaît, je ferai le 2, ouais, je pense. Je pense, ouais. Oh! Bah on est bien là. Belle situation là. Bon ça y est, tu te réveilles? Alors viens jouer avec nous. Par ici, saute en appuyant B. Sur B, bien sûr. Oh, je vous jure, je suis tellement... Alors, j'explique aussi pour ceux qui n'auraient pas tout, toute l'info forcément, mais en gros, on a fait le Super Mario 3D All-Stars du début. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé avec Super Mario 64, qu'on a terminé. Après, on est parti sur Super Mario Sunshine, qu'on vient de terminer. Et donc là, on est sur... Et là, on est sur Galaxy. Et quel bonheur, l'évolution, quel bonheur! Merci, Kuka. Merci beaucoup pour ton sixième mois. Jouons en cache-cache. Je te dirai quel est cet endroit si tu nous attrapes tous. D'accord. Je devrais réussir à vous trouver au bout d'un moment, je pense. C'est normal. Ah, c'est évidemment normal que ça soit de mieux en mieux. On rappelle, hein, Super Mario 64, 97. 2002, je crois, pour Sunshine. Et 2007 pour celui-là. Donc oui, effectivement, c'est normal. Mais ça fait plaisir quand même. Oh là, physique chelou. Oh là. Eh zut, tu m'as attrapé! Bah oui, quand même. Ah zut, j'aurais dû me cacher dans un trou. Bah oui. Oh merde, pardon. Mais c'est vrai, je suis bête. Et je sais toujours pas à quoi ça sert, ça. Hein. Secoue la manette dans les trucs verts. Après, pas trop backseat, hein. Laissez-moi découvrir aussi le jeu. Ok, ça ne sert à rien, c'est énorme. Pourquoi tu tournes en rond? Mais, hein? Bien sûr. Tout à fait. C'était mon but, d'ailleurs, me téléporter de l'autre côté. C'est tout à fait mon but ici. Pareil. Pareil ici. Et d'ailleurs, regardez, je l'ai trouvé. Voilà. Zut, tu m'as attrapé! Bah oui, bien sûr. Ah, j'aurais dû me cacher dans le tuyau. Ah bah attends. Tu me donnes une petite idée là-dessus. Okay. Ah, il est là le dernier. Hop là! Quel dommage! Bravo, tu nous as tous attrapés. Tu devrais certainement pouvoir aider maman. Maman!
Merci Sakura. Merci beaucoup. Bah, y a quoi avec maman du coup ? Désolé de t'avoir fait venir ici, si soudainement. Nous nous trouvons sur un astre qui relie la Terre et l'espace. Nous l'appelons le Portail Céleste. Ah, très bien. Nous sommes sur le Portail Céleste, très bien. Notre maman t'attend là-haut. Va et écoute sa requête. Oh, la fluidité est si agréable. Merci Swirly pour le prime, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Le demi-tour est pas aussi soudain que sur Sunshine. Ah, mais bien sûr, Harmony, évidemment! Magnifique. Je t'observe depuis très très longtemps depuis cet endroit, le portail céleste. Mon nom est Harmony. Je suis la vigie des étoiles. Pour retrouver celle qui t'est chère, tu auras besoin du pouvoir de voyager à travers l'univers. Je te confie ce Luma. Ah ouais? Vous pouvez à présent tournoyer, agiter ou appuyer sur Y pour tournoyer. Ah mais d'accord, mais c'était ma question tout à l'heure, super. Tout comme toi, un grand malheur s'est abattu sur nous. Avec l'aide de ce Luma, tu dois sauver nos amis les grandes étoiles. Que les éclats d'étoiles te protègent. Harmony! Ne disparaît pas comme ça, dans l'éternité de l'infini spatial. Quand tu vois qu'une chose a l'air fragile comme celle-là, agite pour tournoyer. Tu peux aussi utiliser Y d'ailleurs. Merci Kumiko pour le subgift, merci beaucoup. Je sais pas si je joue avec le Joy-Con, je me tâte. Ceci est un anneau d'étoiles. Elle sert de base de lancement pour s'envoler d'une planète. Place-toi à proximité et agite le Joy-Con pour voyager à travers les étoiles. Tu peux aussi appuyer sur Y, évidemment. Allez, envole-toi! Envole-toi! Je te souhaite de tout cœur de réussir. Ah mais juste un Joy-Con suffit? Merci beaucoup Badash RC pour le 7ème mois, merci beaucoup. Ah, il faut les deux? Alors attendez dans ce cas-là. Vas-y go, on va voir. Changer le style Lord. Envole-moi! Envole-toi! Les bien-gambas de Angorica pour impostibombem. Merci d'avoir refait mon anniversaire confiné. Eh ben, joyeux anniversaire à Maury. Joyeux anniversaire à toi. Bon bah voilà, on va faire ça. Le double comme ça est bien. Est-ce que je sors les... Où sont les bords là? Où sont les bords? Où sont... Ah mais elles sont là je crois. Tout à fait. Bon. Du coup, voilà. Joy-Con séparé, c'est mieux. Voilà, je les ai chacun dans la main. Voilà. On va voir. Non, mais on va voir. Parce que moi, je suis pas très fan hein, de ces délires Joy-Con et tout. Donc, on va voir ce que ça donne. Surtout qu'il y a Joy-Con Rift en plus. C'est kiffant, là. Alors, donc là, je me déplace comme ça. Je déplace ça. Ok. Ok. Je rêve ou tu es en pentacour? Non, c'est parce que j'avais relevé mon jog. Mais non, je suis en jog. Ok. On peut retrouver où ta run 64? Ce sera sur YouTube. Point d'exclamation replay. Sur YouTube replay. Voilà. Bon bah go. Hein. Je sais pas où on va. Bonjour. Je t'attendais. Je t'avais préparé un anneau étoile. Mais une météorite est tombée et il a éclaté en morceaux. Tu vas pas pouvoir partir de cette planète. Où sont tombés les morceaux? Cherche-les et fais attention où tu mets les pieds. Bien sûr. Voilà, ça déjà on casse. Ça on détruit. La violence du joueur! Là, un premier éclat qui a été trouvé directement. On monte, on prend la vie.
en laissant ça son monstrueuse en termes de gameplay. C'est vrai que c'est assez confort là. Alors peut-être. C'est pas mal là. Merci Prindarko pour le subgift, merci beaucoup. J'essaye de voir un petit peu tout ce qui est possible. Ok, donc on a le long jump comme ça. On continue. Tain, j'avoue, ça en 2007 sur la Wii, ça doit être un vrai kiff en vrai. Merci Monster Rose. On va récupérer toutes les étoiles, bien sûr. Aïe. Bon. Il m'a saoulé. Ok. Oh non. Sors-moi de là. L'un des ennemis doit avoir la clé. Tournoi en agitant. Oui, non, bah ça j'ai compris. Oui. Fonce, oui, bien sûr. Bon, par contre, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, d'accord, ok. C'est même une clé qui s'active à distance. Ah oui, non, c'est incroyable. Bon, attends, je vais pas aller le voir de suite, je vais voir ce qui se passe quand même ici. Oh merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va? Il est où? Non, ça va, il est là. Merci. Tu veux bien aider aussi mes amis qui sont là-haut dans la forteresse? Je vais me changer en anneau étoile. Utilise-moi. Ok. Transformation. Ok. Ah oui, ça stun tout le monde, d'accord. Du coup, après, là, c'est kill. Là, je peux prendre ça tranquille, ici. C'est propre. Là, je prends ça, je pense. Hop, tac. Tac. Ah! Merci à Mori pour le subgift. Merci beaucoup. Yopon, je te suis depuis pas trop longtemps, mais de plus en plus, quel bonheur de voir autant de bienveillance sur un chat. Et le live stream continue comme ça. Bah, merci. C'est les fleurs aussi, hein, qui sont des amours pour le coup. On se sent bien. Alors, j'ai juste envie de vomir, mais ça va. Ok. Je vais lui mettre une pression dingue. Et donc ça stun tout le monde, j'essaye de comprendre les mécaniques. Ça je sais pas trop, mais je vais pouvoir tout récup en visant. Non, je peux pas viser là? Pourquoi je vois pas mon Joy-Con? Ah! Ah oui, voilà. Ok. Je peux pas ramasser les pièces, non. Ok. Go lancer ta casquette. Je crois que tu te trompes de jeu. Dépêche-toi, mes amis sont à l'intérieur! Et bah écoute, t'as un ami ici aussi, qu'est-ce qu'il fait celui-là d'ailleurs? Oh, si tu as perdu de l'énergie, ramasse une pièce pour retrouver tes forces! Ouais, on connaît Nintendo, l'argent, la santé, tout ça. La corrélation, évidemment. Je t'attendais. Ceci est une grande étoile, c'est notre ami. Ils veulent construire quelque chose avec cette machine, en se servant de la puissance de la grande étoile. Oh. Si ça continue, ils vont aspirer toute l'énergie de la grande étoile et elle s'éteindra. Je t'en prie, tu dois arrêter cette machine, c'est la merde, j'en peux plus. En plus de ça, je parle même plus à mon mec. On va la sauver, t'inquiète pas. On va la sauver. Alors, qu'est-ce que je fais? Marche sur les panneaux interrupteurs au sol pour arrêter la machine. Hop, voilà. C'est bon. Merci beaucoup Niten Rock. Merci pour l'abonnement. Faut peut-être faire un code spécial.
Y'a... Tu peux... Attends, bon. Toi, ça dégage. Toi, c'est le double kill là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon, y'a peut-être... Il doit y avoir un système, hein. C'est énorme. Marche sur les panneaux interrupteurs au sol pour arrêter la machine. Oui. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a peut-être un truc. Ok. Le slow run commence. Ah oui, non, par contre, toutes les personnes qui ont terminé le jeu 75 fois et qui me traitent d'aveugle, on va se calmer de suite. Je découvre, c'est le premier niveau, je sais même pas. Non, non, juste, en vrai, juste, fermez-la, ok? Si vous, vous avez terminé le jeu plein de fois et que vous connaissez par cœur, en vrai, tant mieux. Moi, c'est mon premier truc, je sais pas ce qu'il faut faire, donc je regarde. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est? Il se passe rien quand je passe tout en bleu. Qu'est-ce qui se passe quand je passe tout en bleu? Quoi? Hop. Attendez, je vais tout remettre en bleu. Et on va voir ce qui se passe ailleurs. Parce que je suis resté là depuis... Oui, oui. Hop. On va voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Voilà. Les autres étaient en bleu, là? Ou en jaune? J'ai même pas fait gaffe. Ok, nice. Ah, par contre, pour le coup, je déconne pas du tout, hein. Moi, je déconne pas du tout sur tout ce qui est aveugleman, il est con, etc. Non, je déconne pas du tout. C'est pas parce que vous avez fait le jeu 76 fois et que vous savez pertinemment ce qu'il faut faire là que du coup, quelqu'un qui découvre le jeu doit savoir. Donc en vrai, calmez-vous de suite. Vraiment. Vraiment, vraiment. Sinon, en fait, je le fais pas en live, hein, purement et simplement. Hein. Sinon. La première étoile, messieurs, dames! La première étoile. La première d'une très 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 longue série. Trop agréable, 60 FPS, vraiment. Merci Brissou. Bienvenue. Quelle prestance. En fait, j'ai toujours pas compris les fragments d'étoiles exactement. J'ai découvert une galaxie. Donc là, c'est mon hub. Merci Monster Rose. Là, c'est mon hub. Ça, c'est ma nouvelle galaxie découverte. Ça, c'est Mario. Ça, c'est une moustache. Oh, le brasier de l'observatoire flamboie à nouveau. Il ne brille encore que de la faible lumière d'une étoile de classe 6, mais les Lumas devraient être rassurés. Tout cela, c'est grâce à toi et à la grande étoile que tu as sauvée. Le peuple des étoiles est tellement important à mes yeux. Ils sont comme ma famille. Sois le bienvenu sur l'observatoire de la comète. C'est ici notre demeure, au peuple des étoiles et à moi. Nous voyageons sur l'océan d'étoiles, à bord de notre astronef, l'observatoire de la comète. Alors que nous sillonnons cette partie de l'espace, l'énergie de notre astronef a soudain été aspirée par une étrange force. Et elle s'est échappée, en même temps que les éclats d'étoiles. Notre source d'énergie.
Oui, ce sont les super-étoiles. Maintenant qu'il a perdu son énergie, notre astronef est paralysé, comme plongé dans un profond sommeil. Ceux qui ont enlevé celle qui t'est chère se sont également emparés des super-étoiles. Super-étoiles. Ils ont ainsi acquis la faculté de voyager entre les galaxies. J'ai un service à te demander. Cet observatoire nous permet, grâce à la puissance stellaire, d'observer les galaxies éparpillées dans l'univers. La puissance stellaire qui vient de nous être restituée ne nous permet d'observer que les galaxies proches. Nous observons les galaxies depuis ces salles rondes, que nous appelons des dômes. Mais l'énergie stellaire actuelle ne permet qu'à celui que nous appelons la terrasse de fonctionner. Rends-toi d'abord à la terrasse d'observation des étoiles. Tu pourras accéder aux galaxies qui sont visibles de là et sauver les super étoiles. Nous devons faire en sorte que notre observatoire de la comète retrouve ses capacités d'astronef. Nous pourrons alors nous lancer à la poursuite de ceux qui ont volé les super étoiles. Très bien. Voulez-vous sauvegarder? Tout à fait, je sauvegarde cette avancée incroyable. Merci le ping pour le deuxième mois, merci beaucoup pour le mois de la confirmation. Bon, alors, donc nous sommes actuellement dans le hub principal, l'astronef finalement, l'observatoire. Il y a des dômes. Les dômes, c'est, on va dire que c'est des observatoires, si je comprends bien, qu'on peut comparer aussi à des rampes de lancement un petit peu vers les galaxies en question. Ça, c'est le premier dôme qu'on voit, et je pense qu'il en voit dans des galaxies pas très loin. Petit à petit, on débloquera d'autres dômes, j'imagine, pour aller plus loin sur des galaxies plus lointaines, etc., etc., etc. Là, il y a un lanceur, par exemple. Ok. Très agréable, hein, les 60 FPS, vraiment. Réparation tout modèle. Donc là, c'est le garage. Là, c'est chez Marco. C'est quand on a des problèmes de méca, quoi. C'est classique. Pourquoi j'ai envoyé un truc là-bas? Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, nice. Jour. Okay. Eh? C'est bien. Bienvenue, merci beaucoup. Des papillons. Un chemin. Ça. D'accord, ok, donc ça, ça va être de l'énergie qui va passer sur des choses comme ça, et ça, c'est, ça va activer quelque chose, ok. Tu ne peux pas encore aller par là. Ouais, ben j'ai compris. Super. Super. Ok. Je check quand même un petit peu avant de partir à l'aventure. Oui, on va pas passer par là. Effectivement. Merci Pouldor pour le deuxième mois. Ça va très bien, merci beaucoup. Très beau ce hub. Oula. Oula. Ok, bon, on va débloquer ça plus tard avec l'énergie. Ici, on voit tous les canaux d'énergie, là. Ici aussi, je pense. Et pour le moment, il y a même pas de lumière, en fait, il n'y a rien du tout. Est-ce que je peux aller tout là-bas? Nice. Ok, bon, bah écoutez, messieurs, dames, on part sur le premier dôme, c'est parti. Let's go. Bienvenue. Ce dôme est un poste d'observation de l'espace. Il permet d'observer toutes sortes de galaxies et de les étudier. C'est moi qui serai ton guide à travers les galaxies. Pointe l'étoile, crampon, avec étoile et appuie sur A. Si tu ne vois plus étoile, réinitialise sa position avec R. En mode portable, il te suffit de toucher étoile sur l'écran. Super. Merci pour cette information, Luma. Donc je vise et j'appuie. Super. Les astres qui apparaissent ici représentent les galaxies que l'on observe depuis ce dôme. Putain, le jeu a l'air ultra complet. Du coup, ok, il y a beaucoup de choses. Les nombres qui y sont inscrits indiquent leur distance par rapport à l'observatoire. Autrement dit, la puissance nécessaire pour les atteindre.
Plus tu rassembleras de super étoiles, plus tu pourras voyager loin. Ok, donc j'ai qu'une étoile, donc je peux faire que ça. Ça, je peux pas, j'ai pas assez d'étoiles. Bon, c'est assez simple à comprendre, effectivement. Très bien, bah go alors. Planète œuf. Et donc, il y a 3 étoiles à récup sur cette planète œuf. L'énergie caractéristique des super étoiles a été détectée dans cette galaxie la plus proche de nous. Elle semble également être entourée d'une aura maléfique. Fais bien attention. C'est parti. Alors, planète œuf, des planètes, des œufs et dino piranha. Des planètes, des œufs et dino piranha, très bien. Attention, c'est maléfique quand même. Hein. Oh là, oh là, oh là, là. J'ai eu peur. Et du coup, je peux genre juste faire genre... Ah, ok, ça stun. Mais ça sert à rien, juste pour les... Ok, ça sert juste à les stun, ok. Super. Ici, il y a quoi? Je peux? Mais moi, j'ose pas, du coup. Oh lolo, 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 oh lolo, lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo. Écoutez, je crois qu'il va falloir y aller. C'est quoi, cette porte? Absent pour l'éternité. Si vous souhaitez entrer, veuillez utiliser le tuyau de l'autre côté. Celui-là? Merde. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Tu peux ramasser les fragments d'étoiles simplement en les touchant avec le curseur étoile. En mode portable, tu peux aussi les ramasser en touchant l'écran. 50 fragments récoltés te donnent une vie supplémentaire. Alors pointe vers l'écran et bonne récolte. Pas de problème. Après, moi, vous savez, c'est ça qui m'a fait quitter la Wii. Enfin, qui m'a fait quitter Nintendo et qui m'a fait quitter la... Même plus globalement les consoles, en vrai. Vous savez que c'est ce délire de... Notamment de Wiimote, hein. J'étais pas très fan de ces features-là, moi, à l'époque. Putain, vous savez que j'arrive pas à faire mon saut demi-tour proprement, là. Vous savez que j'arrive pas à faire mon saut demi-tour proprement. Et donc là, si je le stun et que je vais dessus... Mais la physique est si particulière. Ok. Ok. C'est un coup à prendre, d'ici 2 heures tu seras calé. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que là le saut demi-tour semble beaucoup plus chiant à faire que sur Sunshine par exemple. Sur Sunshine c'est vraiment tu fais un droit de gauche et ça passe. Merci Florek pour le 7e mois, merci beaucoup. Ok. Ah, c'est une manière de jouer qui est grave différente, hein, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Genre là, par exemple, si je saute... Ok. Ok. Oh, si particulier. Ouais, faut plus d'élan pour le demi-tour, je crois. Et encore? Ouais, il est pas simple, hein. Bonjour. Choura. Mon ami est par là-bas, vite, dépêche-toi. Let's go. Putain, qu'est-ce qu'il est beau, le jeu. Il est beau, il est fluide, l'OST est exceptionnel. C'est un vrai kiff, là, hein, tranquillement. Non, ah, mais je suis ralenti là-dessus, j'avais pas capté, pardon. Bien sûr. Je vais récupérer un peu de vie. Oula. Voilà. Oui, donc on est effectivement bien ralenti ici. Est-ce que je peux aller choper ça sur le côté? Ça dodge! Nice. De l'autre côté, très bien, allons-y. La mécanique est fluide. Merde, qu'est-ce que je fais? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Magnifique. Magnifique ce qui est en train de se passer ici. Je pense que je vais pas mal bouger la tête pendant le let's play.
Il y a moyen que ce let's play donne tout simplement un torticolis hein, de mon côté. Je vous cache pas. Il y a moyen qu'à un moment donné, je fasse ce let's play avec quelque chose autour du cou. Hein. Pas vous mentir. Pour assurer un maintien total. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Après avoir agrippé une plante grimpante, agite ou appuie sur... Ok. Une plante grimpante, mais il n'y a pas de plante grimpante là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Attends, tiens. Cadeau. C'est moi qui offre. C'est cadeau. C'est cadeau. Mais j'ai pas envie du tout de m'agripper à toi là. Ou alors, attends, montre. Merde, je l'ai tué du coup. Ah, c'était... Si, c'est ça. Pardon. Ok. Donc je me mets... Je m'agrippe. Et là, je fais ça. Ok. Ok, ok. Très bien. Très, très Outer Wild sensation ici. Oh merde. Putain, c'est vraiment une physique à prendre en main quand même. Il va y en avoir... Ah ! Il va y en avoir des fails, hein, c'est sûr. Mais est-ce qu'il faut y aller maintenant ? En fait, est-ce qu'il faut y aller ? On va visiter. On va prendre le temps. Oh, quoi ? Oh, nice troll, Nintendo ! Bien joué ! Bien joué. Merci Destios pour le renouvellement de l'abonnement cadeau. Merci beaucoup. C'est vraiment des trollers. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est la sortie des... Oh là! Merde. Qu'est-ce qui se passe? C'est énorme de découvrir un jeu. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ah mais il y avait un tuyau là-bas. Tant de choses qui s'ouvrent à nous, tant de bonheur. Le champ des possibles en termes de bonheur est exceptionnel. Attendez, c'était quoi l'autre chemin? Attendez, je vais tenter un truc. Ah non, j'ai pas de chance. C'était... Bon ok, ça passe en termes de distance, mais je suis tombé sur une plante qui fait mal, ok. Ok, ok, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah. Alors, est-ce qu'on l'attend ça? Du coup, c'est un long jump ou un jump normal? Ok. Je sais pas. On va tenter de jump normal. Ok, jump. Ah, ça disparaît! J'étais pas prêt. Ah ouais, prévenez. Le jeu va être incroyable. Oh, j'ai eu peur. La pression est monstrueuse! Ok. Mais il est con. Attendez. Ok. Très agréable. Mais je me perds là. On va où? Quoi? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Gravité sur 20. Ah bah non, mais là... Oula. Ok. Mais par contre, les devs de ce jeu, ils sont incroyables. Pardon. J'ai bégayé. Attends, c'est incroyable. Est-ce que c'est la même équipe qui a fait Sunshine et... Attendez, c'est dur là. Attention, après avoir tournoyé... Attends que le Luma soit revenu pour pouvoir tournoyer à nouveau. D'accord. C'est pas exactement la même équipe. Ok. Parce que c'est assez incroyable. Hein.
J'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Merci au Nutrem, merci beaucoup au Nutrem pour le host. J'ai plus de vie. J'ai de la vie, j'ai de la vie, j'ai de la vie. Attendez, mais il y avait rien d'autre ailleurs ? Ah non, mais ça par contre, on peut pas avancer si vite comme ça. Me dis pas qu'il y avait rien d'autre. La caméra tourne, hein, je tombe pas là. Hein. Ouais. Oh. Oh. Le slow run vaincra tellement. Oh. Ok. Let's go. C'est pour moi ça ? Oh l'œuf. Donc là on a affaire au boss, c'est ça ? Vous êtes en train de me dire ? Attends, on va récupérer de la vie. Pas mal. C'est quoi ça ? J'ai... Oh elle est trop belle cette fleur ! Attends, je peux la nourrir encore ? Ah non. Ok. Elle est juste belle ? Bon. Ah merde. Qu'est-ce que je dois faire de ça ? Comme dirait Booba, qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille ? Oh la violence! Oh non! Oh la violence! Ça lui fait un truc quand je lui envoie des trucs dans la gueule. Attends. Merde. Oh peu cher. Ça me fait. J'ai pas du tout envie. Ça va? Attendez, je vais récupérer ça avant de mettre fin à ce combat. On va tout récup sur la planète avant de mettre fin au combat, je crois. Merde, je voulais... Comment on reset déjà ? Ah oui, comme ça. Je voulais reset mon Joy-Con. C'est une belle fleur. Quand même, c'était une belle fleur. Je préfère ce son d'ailleurs. J'aime beaucoup ce son. Oh, je sens que le... Mais je sens que le jeu va me plaire encore plus que ce que je pensais, hein, honnêtement. Hein. Je sens que le jeu va me plaire... Ouais, plus que ce que je pensais. Je suis très agréablement surpris pour le moment. Tu viens de tuer un sub 6 mois. Oh non, arrêtez, me dites pas ça. Vous aimez bien me faire culpabiliser, hein. Ça, c'est votre kiff, hein. T'as dû remarquer les éclats d'étoiles qu'on voit briller un peu partout, n'est-ce pas ? Pas du tout. On les appelle les fragments d'étoiles, et nous, les Lumas, en sommes très friands. C'est notre source d'énergie. Pointe l'écran avec ton Joy-Con et vise pour les ramasser en mode portable. Mais putain, mais tu vas me dire ça combien de fois, Luma ? Je le sais. Faisons un essai. Quoi ? Mais tu vois, je viens de tuer un boss ? La preuve que je sais le faire, quand même. Enfin, la preuve, on sait pas trop, mais... Hein. Encore ? C'est bon. Bravo ! Disons que ce sera ma rémunération pour cette leçon. Les fragments d'étoiles te seront utiles dans ton aventure, sois-en sûr. Tu peux les lancer sur tes ennemis, mais aussi les partager avec des Lumas affamés qui t'en remercieront. Merci Miona. Merci beaucoup pour l'abonnement, bienvenue. Eh ben, c'est parti.
Donc, là, il faut 3 étoiles pour y aller, j'ai pas assez. Là, on sait pas. Là, il en faut 8. Là, machin, bah, on va continuer là-dessus. Donc là, on retourne dans le même monde. Enfin, la même planète, pardon. Mais une étoile différente. Ok. Donc les planètes qui sont clairement les niveaux, hein, purement et simplement, si je comprends bien. Un appétit cosmique, bon, va falloir manger un max, hein. Merci Ice Lauren pour le 2e mois. Et c'est un très joli pseudo. Très joli pseudo. Merci Ice Lauren. Je pense que là, actuellement... Je pense qu'actuellement... Galaxie et non planète. Oui, galaxie, pardon. Oui, oui. Rassemblement de planètes. Oui, pardon. Là, je pense que j'ai une chance assez incroyable que de découvrir ce jeu. Voilà. Voilà. Actuellement. C'est actuellement ce qui se passe. Bon, qui a faim ? On va chercher ça. Merci Valentin pour le Prime. Bienvenue. Merci beaucoup. Ok, je récupère un maximum. Et du coup, tu te souviens ? Tu peux tirer des fragments en appuyant sur ZR. Vise bien ta cible avec le curseur, bien sûr. Ils vont me le dire jusqu'à la fin du jeu. Bon, après, je suis pas obligé de tirer, hein. Je peux juste lui sauter dessus, je crois. Par là ! Il y a un de mes camarades très gourmand. Si tu le rencontres, tu voudras bien écouter sa requête ? Vise-le ! Ouais. Ok. D'accord, ok. Je sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Je pouvais encore avancer juste en faisant... Ah, j'aurais peut-être pas dû. Mais non. Ah, j'aurais peut-être pas dû, je sais pas. Bon, on verra, hein. Merci Auteur Live pour le 3e mois, merci beaucoup. Si tu as besoin un jour, je suis spécialiste cybersécurité. Intéressant. J'avoue que j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là. Ah, c'est donc ça. Alors, petite astuce pour les gens qui découvrent le jeu, comme moi. Vous savez qu'on peut appuyer sur ZR pour lancer des fragments d'étoiles ? C'est assez insane. Petite astuce, hein. Merci Ispos pour le 5e mois, merci beaucoup. Je vous jure. Petite astuce. Oula, oula. Attendez, je vais pas y aller maintenant parce que là, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. J'ai nommé des pièces. Vous savez qu'il y a... J'ai envie de tenter un truc. Non. Attendez. Attendez, je tente quelque chose. Moi-même, je ne sais pas. Non. En fait, j'ai envie de casser le truc rouge. Oh ! Ok. Énorme, énorme, c'est énorme, c'est énorme. Attends, il est où l'autre, il est où? Attends, viens, 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 viens. Putain, ça sonne chez moi. Attendez, ça sonne chez moi. Je vais voir ce que c'est, je sais pas ce que c'est énorme. Oui. Oui. Allô.
Hop là, re. Soit. Mais non, mais non. N'importe quoi, mais non, mais n'oubliez jamais que je suis point relais de l'ensemble du bâtiment. C'est la classique. Je suis point relais. Mais attendez, c'est un truc de Twitch, je crois. C'est un truc de Twitch. On l'ouvrira après, je pense. C'est un truc de Twitch. Je sais pas ce que c'est. C'est pour moi, pour le coup. Ouais. Go ouvrir maintenant. Ah, vous avez envie de savoir, hein? Ah, malheureusement, actuellement, je suis sur une planète qui me demande un petit peu de... Ça me demande un petit peu de concentration, là, cette planète, malheureusement. Ça va être difficile d'aller... Ponce sur X. Oh non, c'est encore sur X? Mais pourquoi ma caméra se reset? Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi tous mes paramètres de cam sont tout le temps en train de se reset alors qu'il se passe rien du tout? C'est quoi cette merde? Bon, allez, on va ouvrir la box pour que je vous montre ce qu'il y a dedans, ok? Ça vous va? On va ouvrir dedans. On va ouvrir... Oh! Merci Lord Ronflex pour les 3 abonnements offerts. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lord Ronflex, c'est très gentil. Hop, je remets juste comme avant parce que là c'est la merde. Hop, tac, 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 tac. Voilà, tac, 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 voilà. Voilà, voilà, bon. Bon, j'ai mis pause sur le jeu une seconde. On va ouvrir. La lettre pour le ban. Vous pensez que c'est une lettre pour me prévenir que je suis ban? Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que c'est ça? Merci beaucoup, Eggy pour le prime et Spycore pour l'abonnement. Merci beaucoup. Vous pensez que c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Attendez, je vais chercher. Écoutez, je sais pas ce que c'est. J'ai vu que c'était Twitch parce que j'ai reçu un SMS de DHL qui me disait « Tenez-vous prêt, vous allez recevoir un truc de Twitch. » Je sais pas ce que c'est. Je comprends pas parce que... C'est vrai que pour The Event, on a eu quand même des trucs. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, je porte le nouveau pull qui est sorti sur le merch Popcorn. Je sais pas si vous avez vu ça, pour le coup. Qui est assez stylé. Je l'aime bien. Bon, c'est classique, quoi, mais je l'aime bien. Il est assez propre. Voilà. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends. Quoi? Non, c'est pas fini, c'est juste que j'ai reçu un colis à l'instant même, c'est un colis de Twitch et du coup on l'ouvre, c'est tout. Putain, mais attends, mais ils m'ont... C'est un bateau portable ou quoi? Oh, oh, nice! Trop nice! Oh, le feu! Oh, nice! Il est peut-être un peu haut. Hop, en vrai. Colis piégé, attention, pas du... Oh, mais trop bien. Trop, trop bien. Je savais pas qu'il y avait... Mais what? Il est ultra quali en plus. Il y a masse poche. Mais c'est mon nouveau sac, en fait. Mais c'est... On dirait un backpack. Ouais, ça ressemble vraiment à un backpack. Y a pas de chèque, non. Non. Y'a pas. Bon, alors. Un t-shirt. Qui est d'une couleur... Je porte jamais cette couleur, écoutez. Let's go. Alors par contre, je veux pas forcément dire de trucs chelous ou quoi, mais... Je crois que Twitch... Il taille par rapport aux Américains. Parce qu'en gros, le dernier truc que m'a donné Twitch, c'était un pull Twitch... En M, il me va beaucoup trop grand. Alors que je fais du M. Mais genre là, c'est du M, je sens qu'il va être trop grand. Merci beaucoup, Abdelkrim, pour le prime. Merci beaucoup. Genre ça, c'est du M. Hein. Regardez, c'est écrit M en énorme. Regardez. C'est du M, c'est écrit là. Hein. M. M. Regardez la taille.
C'est un peu... C'est grand. Mais bon, l'oversize, c'est un flow aussi, hein, l'oversize. Tranquille, hein. Tranquille. Alors ça, attention. Messieurs, dames. Messieurs, dames, simple question, en fait. En gros, j'avais à vous poser. Je suis très heureux, hein, de vous retrouver, bien sûr, mais surtout... je vous mets coca, frites coca avec votre Big Mac ou je vous... Comme vous voulez, vous me dites. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Je suis équipier McDonald's. Voilà. Grosse dédicace à tous les potos équipiers, bien sûr. Grosse dédicace. Bon. Qui porte ça? Je sais pas. De toute façon, moi, je ne porte pas de casquette, donc je suis pas du tout un porteur de... Oh ! Plein de masques Twitch ? C'est des masques Twitch ? Voilà. En vrai, c'est clean, hein ? C'est des slips. Il y a même du rembourrage dedans, what the fuck ? Ah oui, d'accord, ok, ils ont mis... Ah oui, d'accord. C'est des protections supplémentaires. What the fuck? C'est des filtres. C'est des filtres que tu peux changer. Nice. Bon, c'est des cadeaux très, très 2020. C'est très, très, très 2020 comme cadeau. On va pas se mytho. Parce que si des gens reçoivent ça... Ouais, non, c'est bizarre. C'est bizarre. Et maintenant... Ouais, non, mais c'est... faut pas déconner. Je vous jure, ça me fume. Et maintenant, ça va être le pull. Il va être en M. C'est immense. Bon, c'est effectivement un pull. Mais regardez la taille! Regardez la taille! Je rentre deux fois! Je sais quoi se dire? Ah, ok, j'ai eu peur. Bon, après... C'est duel. Mais je pense que L pour eux, c'est, je pense que c'est XXL, voire XXXL. Sans déconner, hein, pour le coup. Je déconne pas. C'est immense. C'est immense. Bon, bah écoutez, très bien. Voilà, c'était ça. C'était ça le colis. C'était ça le colis. Vous savez ce qui me fait le plus plaisir dans ce colis? C'est ça. Ça, c'est énorme. En vrai, ça fait trop plaisir. Ça, il est insane, le sac. Il y a plein de poches. Regardez, poche intérieure, poche machin, poche là, 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 ici, poche là. Ça, c'est le feu. Ça, c'est le feu. Merci, James. Merci beaucoup. C'est marrant. Bon, ben voilà. Je le kiffe. Je le kiffe, en vrai. Pour les ponces la nuit, ça va être utile. Bah, en fait, le backpack est déjà dans un sac. Hein. Eh ben, on peut dire merci Twitch, en vrai. Franchement, on peut dire merci Twitch. Merci beaucoup, Twitch. Je savais pas du tout que j'allais recevoir ça. J'ai juste reçu un SMS de DHL ce matin en disant vous allez recevoir un colis de Twitch. J'étais en mode, ok. Sympa, hein, en vrai. Sympa. Parfait pour la rentrée. Mais regardez, le sac est trop bien, non? Bon, là, il est vide, donc il fait plat, mais voilà. Merci beaucoup. Tu es une très jolie fleur. Ça fait plaisir? Non, DHL, pas BHL, DHL. Le service de livraison allemand. Merci, Noobie, pour le 7e mois. Merci beaucoup. Bon, ben voilà. On va retourner, je pense, sur Galaxy, le meilleur jeu, apparemment. Hop. Tu étais où quand le jeu est sorti à l'époque? En 2007, Galaxy? J'étais sur World of Warcraft. Voilà. Mais vraiment, j'étais sur WoW. Tu es une très jolie fleur. Merci Barox pour le 2e mois, merci beaucoup. Je redeviens une fleur pour le confinement, faut bien s'occuper quand on est étudiant en fac de maths. Force à toi Barox, merci beaucoup. Bon. Jeff qui régale. Non, en vrai, c'est gentil, c'est joli. Hein. C'est assez joli et assez gentil. Vraiment, merci pour ces petits cadeaux
Twitch, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, on continue ce let's play qu'on vient de commencer, messieurs, dames, avec donc, Super Mario Galaxy. Nous avons, à tout casser, on a une demi-heure de jeu, quoi. Donc, let's go. Joyeux anniversaire, Laura Nala. Let's go, messieurs, dames, on reprend. Ultra. Ah oui, donc, ah oui, c'est ça qu'on venait de découvrir. Voilà. C'est propre en vrai. Donc ça, c'est la petite étoile qui me permettait de monter juste là, prendre la pièce. Et j'avais ici, hop là, pour remonter. Et aller sur une autre planète de cette galaxie. Est-ce que... Attendez, on a croisé un truc. Est-ce que j'aurais pu le prendre, ce truc en question? L'étoile. Ah, peut-être. Ah. Intéressant. Merde. Oh, la physique est si chelou. Ouais. Bon, par contre, est-ce qu'on a assez de noix Korogu pour agrandir notre inventaire? Je sais pas. Est-ce que je lui donne toutes mes noix? Je sais pas. Est-ce qu'on agrandit l'inventaire d'armes ou plutôt l'inventaire de boucliers? Je ne sais pas. Honnêtement... Oh, nice. Nice. Bon, faut avoir la ref, hein. Ding, ding, ding. Hé, toi là, tu n'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je veux en manger plein, plein, plein. Des fragments d'étoiles. Je veux des fragments d'étoiles. Si tu me donnes des fragments d'étoiles. Ta gueule! Fragments d'étoiles. En fait, c'est un Pokémon qui s'appelle Fragments d'étoiles. Du coup, comme n'importe quel Pokémon du monde, quand il parle, il dit son nom, quoi. Fragments d'étoiles. Il est fan de Fragments d'étoiles. Toxicoman. Milaknis, merci pour le troisième mois. Merci beaucoup. Ça y est, ça y est, ça y est, je suis repu! Alors on y va, je suis en pleine montée, je suis complètement foncedé, ces fragments d'étoiles m'ont détruit le cerveau! Transformation! Non mais j'ai dit le F, le cerveau, parce qu'en gros je voulais dire le vaucer, mais j'ai bécayé, du coup j'ai fait le V... Cerveau! C'est vraiment ce qui s'est passé en plus. Ouais. Ok. Ok, on ramasse un maximum. Ok, on ramasse un maximum. Ok. C'est un vrai plaisir d'évoluer sur ce jeu. Vrai plaisir. Ok, bonjour. Est-ce qu'on peut wall jump là? Ah oui, putain. Cet endroit de la planète là. Comment on se déplace? Ok. Donc plutôt comme ça. D'accord. Oh, la physique est si particulière! Ok. On va tout casser. Aïe, si maniable, si agréable. Tiens, ça dégage. Hop, ça me donne ta vie. Oh là, ça veut se fight? Ça veut se fight? Je te tiens en joue, hein. Je sais pas si tu captes. Ah non, tu captes peut-être pas. Là, je suis actuellement en train de te tenir en joue. Ok. Je te tiens en joue. Ok. Bon, on va remonter comme ça, du coup. Non, bah pas comme ça, du coup. Comme ça. Ok. Oh, bah attendez. Ça me fait aller plus... Aïe, putain, mais je suis trop con. Par contre, j'ai réussi à faire ça, c'est parfait. Ça, c'est nickel. Ok.
Bon, on a ce qu'il faut, non? Ok. Où sommes-nous? Qui suis-je? Où moi devoir aller? Oui, monseigneur. Merci Lim Gaming pour le Prime Gaming d'ailleurs. Merci beaucoup. Bienvenue à toi dans le milieu de la fleur. Travail terminé. Est-ce qu'il y a un trou, une faille quelque part? Ah, la faille est ici. Et il tombe dans la faille. Ah merde! Oh, mais ça me mindfuck là, attends. Ok. Ok, d'accord. Mais attends, mais il met une pression monstrueuse celui-là. Boum. Parfait. Merci Orphan. Merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue à toi. Oh! Quoi? Attends. Ok. Ok. Ça me semble propre là ce qu'on est en train de vivre. Mais j'ai pas envie de. Oh, bien joué là-dessus le shot en plein jump. Nice. Oh, il y a une vie ici. Merde. Ah non, je voulais pas aller là. Ah non, je veux pas finir le niveau. Ah non. Non. Non, non, non. Enfin, finir le niveau. Enfin, je sais pas, en fait. Ah, mais c'est horrible! Ok, je peux pas du tout. Ah, oh, je suis deg. Ah non, ça dégoûte. L'exploration. Mario, là, il est en train de vivre un truc. 6000 balles la séance de 0G. Hein. Bon. Je suis dégoûté. Bon, on pourra y retourner tranquillement. Encore un jeu avec de la couleur, mais je vois toujours pas de fleurs de l'ombre. Merci sur Artist pour ta donate. Mais si, il y a des fleurs de l'ombre, il y en a partout. Il y en a partout et on en profite évidemment pour faire une petite dédicace aux fleurs de l'ombre. Qui sont ultra nombreuses en ce moment. Forcément, confinement numéro 2. Forcément, beaucoup de télétravail. Forcément, énormément de gens qui sont sur le live. Alors qu'ils sont censés travailler, on le rappelle. Non, je rigole. Attendez. Ou des gens qui farment WoW, ils ont bien raison parce qu'il le faut. Ou qui joue à LoL, ou qui joue à Hades. Ou qui joue aussi à Galaxy, c'est possible aussi. Tout est possible ici. Merci T. Pericles. Merci beaucoup pour ton abonnement, bienvenue. Ok, on est sur une mécanique assez particulière là, ouais. Ok. Si vous voulez que je sois honnête avec vous, je vais l'être. Je suis perdu. Voilà. Avec les commandes, là, quand je suis comme ça, je suis... C'est déroutant, dire. C'est tout à fait déroutant. Déroutant. Pas dégoûtant. Non, c'est pas dégoûtant, c'est déroutant. Attendez. Qu'est-ce que je raconte? J'ai perdu la tête? Bah, j'ai la tête à l'envers, après. Ok. Oui. Attendez. Ça veut dire que si je fais une... Regardez, regardez. Maintenant. J'ai compris complètement cette mécanique, en fait. Complètement cette mécanique. C'est une mécanique qui est complètement captée de ma part. C'est énorme.
Petite nouveauté, ouais. C'est le niveau le plus facile du jeu. Bah oui, non, mais j'imagine c'est le premier niveau. Oh, bravo, grâce à toi, nous avons découvert une nouvelle galaxie. Plus tu rassembleras de super étoiles, plus notre champ de vision s'élargira, jusqu'à ce que nous puissions enfin découvrir la base de nos ennemis et les détruire. Ok. Ça part sur 200 heures de jeu, ponce. Ah, si le jeu est insane et que j'ai envie, peut-être, hein, j'en sais rien, moi. Mais du coup, là, est-ce que j'ai tout fait? Juste. Non, il me manque encore une étoile. Vas-y, le jeu est trop bien, j'ai envie de les faire, en fait. J'ai envie d'y retourner, en fait. Voilà, j'avoue.